Comment ça va les amis? Moi en tout cas ça va hyper bien, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Attaque en Titan. Oui, il y a eu énormément de choses, mais avant de parler Attaque en Titan, pour les nouveaux abonnez-vous, tous les lundis il y a la vidéo Attaque en Titan, donc si vous aimez Attaque en Titan, venez nous rejoindre tous les lundis, franchement, oh il y a tellement de choses dans ce manga là, c'était magnifique. Il y a eu énormément de choses dans cet épisode, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de révélations, surtout sur l'histoire de Kenny qui était vraiment un mystère pour nous, et juste la seringue. Tout à la fin de l'épisode dernier, on voyait qu'il avait sorti une seringue et on s'est dit oh, non, il va s'injecter le produit. Et là, sur cet épisode, on a tout vu. On a tout vu, on a tout vu. On a enfin l'histoire de Kenny et Levi. Surtout de les Kenny. Kenny, franchement, c'était vraiment un mystère. Il a apparu de nulle part comme ça. On savait pas c'était qui, on savait pas pourquoi il était là, on savait rien de lui. Et tout d'un coup, on a un épisode qui nous explique de A à Z. Et là, franchement, j'aime le personnage. Avant, j'aimais pas trop. Il était badass, tout ça. Donc, pour toutes les personnes qui aiment bien les personnes badass, oh, vous êtes en train de kiffer tout ça. Mais moi, je me suis dit, ah, c'est un enfoiré quand même, tout ça. Moi, je connaissais pas l'histoire, donc je pouvais pas trop dire. Mais en fait, j'aime bien le personnage. On découvre que Kenny est là depuis le premier roi. Le premier roi, Unli. Ils se sont rencontrés parce que la famille Ackerman. Je sais pas comment on peut dire Ackerman. Sont en désaccord avec le roi. Voilà, donc il a beaucoup fait souffrir sa famille, etc. Donc la famille Ackerman. Parce que le roi était un titan et lui il savait pas. Donc c'était un titan. Donc un titan qui avait le pouvoir qu'on connaît. Hein. Il avait ce pouvoir là. Et tout d'un coup il attrape Kenny comme ça. Et là, Kenny, tu le vois, c'est la première fois de sa vie quoi. Il est dans la main d'un titan quoi. Parce qu'il savait pas qu'il y avait des titans genre au sein du mur. Première fois qu'il voit ça. Et il voit en plus que c'est le roi. Unli qui avec accompagné bien sûr de Race. Donc le Race. Hein. Tout d'un coup le roi. Donc il parle. Tout d'un coup le roi il lâche Kenny. Il le pose par terre et il lui dit. Excuse-nous d'avoir agi comme ça sur ta famille. Excuse-nous. Au départ il a lancé une dague sur sa main, la main du roi. Unli. Il a fait ça le mec. Oh, tu vois, il a transpercé là. Rien à foutre. Il a pas mal le mec. Le mec il s'est dit. Oh là là, il y a une moustique, elle m'a piqué là. Donc lui, rien à foutre, rien à battre. Il est là, oui, j'ai un couteau, et alors. Donc il l'a posé par terre, Kenny. Et il lui a dit, voilà, excuse-nous, etc. Il s'est affaissé devant lui. D'ailleurs, le roi, il s'est affaissé devant lui. Il est en train de s'excuser, etc. Et Kenny, il avait son fusil comme ça pointé sur lui. Il était toujours en train de s'affaisser, hein. Il a bien vu le fusil, mais il était toujours en train de s'affaisser, il s'excuse, etc. Après, Kenny, il a réfléchi. Il a enlevé son fusil, il s'est dit. Voulez-vous me prendre avec vous? En fait, Unli, je le connaissais pas, mais c'est vraiment un magnifique. C'est un personnage que je connais. Ce personnage-là, on l'avait jamais vu, le premier roi. Et franchement, j'adore. Je sais pas, il a un petit truc, ce personnage que j'apprécie. Je sais pas quoi, mais il a un petit truc. Donc là, Kenny est avec le roi Unli pendant des années, etc. Il le sert comme un. Voilà quoi, il a pris à côté sur son aile. Il a pris Kenny sur son aile, etc. Parce que le roi. Contre son gré, parce que c'était une bonne personne, hein, mais il était obligé pour protéger le sien, que personne sache la vérité. Donc il appelait Kenny pour tuer tout le monde. C'est pour ça qu'il a accepté que Kenny vient sur son aile, parce que c'était vraiment une personne genre qui aime le combat, qui aime, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a pris sur son aile et il demandait à Kenny de tuer les personnes qui voulaient dire la vérité. Voilà pourquoi il voulait prendre Kenny. Mais pas que, parce qu'il savait que Kenny c'était une bonne personne. Mais à force, le temps, on n'arrête pas le temps. À force, malheureusement, le roi Unli, il vieillit. Et vient le jour où il doit donner la succession du pouvoir à une personne. Et il disait, genre, sur un banc, il était assis sur un banc, Unli était assis sur un banc, avec Kenny qui était debout. Et il racontait, genre, que oui, le pouvoir peut être... voilà, peut être donné à une autre personne. Il disait que le pouvoir allait être donné à la fille de Monsieur Race. Donc on sait très bien c'est qui. La demi-sœur d'Historia. Et donc voilà, donc après c'est elle qui a récupéré le pouvoir. Et Kenny, tout d'un coup, lui s'est dit, attends, le pouvoir, la force, les gens qui règnent sur le monde doivent posséder une force. Un pouvoir, être une puissance. Je vais essayer de récupérer cette puissance. Donc il a continué à être avec Monsieur Race alors qu'il voulait pas. Hein. Donc il a continué à être avec Monsieur Race pour un but. Récupérer le pouvoir des titans. Donc dès qu'il a su que le pouvoir va être donné à Historia. Ah, c'était le moment opportun. On voyait l'image là. Vous voyez l'image où même Kenny il est comme ça dans un coin avec une grosse tête, tout moche et tout ça là. Bah,
au moment où on a vu Kenny rentrer, bah, Kenny avait vu sa sœur morte. Morte, oui, parce qu'elle arrivait pas, elle arrivait pas, elle était toute pâle, toute malade. Donc il a vu sa sœur morte et il a vu à côté Kenny. Allez, viens avec moi, il voulait pas l'abandonner comme ça à son propre chemin. Il a dit viens avec moi. Donc il l'a nourri, tout ça, il l'a éduqué, il a appris au combat. Enfin, Levi, il disait dans le manga que c'est pas un... il arrive pas à être paternel, c'est pas une personne qui arrive à être voilà, à gérer une personne, un enfant, etc. Il n'arrive pas. Donc il l'a abandonné. Moi je pense pas que c'est ça. Moi je pense parce qu'il aimait Levi et il voulait pas l'amener dans ce chemin obscur, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il a laissé Levi faire son propre chemin et il est parti. Parce qu'il sait que c'est un chemin très dangereux. Donc il voulait pas. Et là on revient où Kenny allait presque mourir. Donc il était mal au point, tu vois. Il était pas bien. Donc il s'est dit je me jette le seringue. Et là Levi il arrive. Et là ils ont une conversation avec une musique, la musique qu'ils ont mis en fond. Et là, Levi il dit attends, si tu voulais t'insérer cette seringue, t'aurais fait depuis longtemps, depuis avant que tu sois mal en point, t'aurais déjà fait. Levi dit à Kenny, et moi je viens d'où? Je suis d'où? Explique-moi. Ma famille, c'est qui? C'est quoi? Bah il disait que la personne qui est morte sur le lit, donc ta mère, était ma sœur. Là, ça lui fait un choc. Donc, tu viens bien de la famille Ackerman. Donc là, ça lui fait un choc, tu vois. Ça lui fait un choc. Même moi, j'étais choqué. Genre, Levi vient de la famille Ackerman. Il met comme ça le truc. Il met la seringue sur lui, sur Levi, comme ça. Et il dit... rien, parce que... malheureusement, il est mort. Voilà, donc Kenny, c'est un personnage vraiment mystérieux, qui avait un passé très douloureux. Pour ça, j'aimais bien ce personnage, il avait un passé très douloureux. Il réfléchissait. Rien à dire sur ce personnage, il est magnifique ce personnage, il est magnifique. Levi et Kenny, très bonne histoire, franchement. C'était un épisode où ils ont raconté toute leur histoire et c'était magnifique. Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous aura plu le petit épisode. Donc n'oubliez pas de vous abonner tous les lundis, il y a Attaque en Titan. La semaine là, normalement, il y aura le tournoi, donc n'oublie pas aussi. Sur ce, les amis, je vous dis ciao et à la prochaine.